بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم عزيزتي التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين والمستفيدين من جميع الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة، قناة الحمر كونسوليداسيون 2، التي تتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق في مسيرتكم الدراسية. هذه القناة التي لا تدخر جهدا لكي تقدم إليكم كل ما تحتاجونه من دروس الدعم، سواء في مادة الرياضيات أو مادة اللغة الفرنسية بالسلكين الابتدائي والإعدادي، وكذلك مادة النشاط العلمي. هذه القناة التي تطلب منكم، وهذا فضلا وليس أمرا، المشاركة في هذه القناة بكثافة وتفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد. كما أطلب منكم المزيد من التشجيعات ديالكم، اللايكات، الكومنتير، البارتاج ديال الفيديو لكي تعم الفائدة على الجميع، وشكرا شكرا جزيلا لكم. بونجور ا توت، بونجور ا توس، بونجور ا تو لي فان دو ما شين، جيسبير كوم دابيتود كو فوز الي توجور تري 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 بيان. ما بريزونس كوم فو لو سافي سي بور فو بريزونتي توجور اون نوفو لوسون دو لا لونغ فرونسيز، سي اون لوسون ديسيني اوز ايكوليي اي اوز ايكوليير de la sixième année enseignement primaire. Bon, soyez attentifs et suivez bien. La leçon d'aujourd'hui, c'est la leçon de la lecture, la discipline lecture. Sixième année enseignement primaire. Le titre de la leçon, un quartier pas comme les autres. Un quartier pas comme les autres. Alors, la Bible est en voyage à Tanger. Donc, dans cette leçon-là, on va voir le dialogue entre Nabil et son oncle. Donc Nabil, il a voyagé à Tanger chez son oncle, et en arrivant, l'oncle lui explique, lui raconte comment est le quartier, ou bien comment le quartier a changé, comment il était avant et comment il est devenu maintenant. Alors nous avons un posté qui est composé de deux vignettes. Nous avons ici Nabil et son oncle qui se dialoguent, hein, qui se posent des questions. Alors voilà Nabil qui pose la question, le premier. Oh, que c'est beau, c'est propre. Il est étonné. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé un quartier très, très, très propre. Vous avez un joli quartier, mon oncle. Hein? Vous avez un joli quartier, mon oncle. Il est beau, il est propre. L'oncle lui a répondu, il lui dit, oui, tu sais mon petit, ce quartier n'était pas aussi joli que tu le vois. Il n'était pas avant joli. Il était sale et maintenant il est changé. Voilà. Il est devenu très propre grâce à un travail de solidarité et de coopération. Nabil, oh oui, c'est vraiment l'oncle ce que vous dites? L'oncle, oui, mon enfant, c'était un quartier très sale. Il était très sale. Hein? Des sacs en plastique, des sacs qui sont pleins des ordures, ils sont dans les rues, hein? Partout. Les murs étaient très sales et les rues, ils sont pollués avec les ordures. Ils sont pollués avec les ordures. Dans la deuxième, dans le deuxième posté, toujours Nabil et son oncle. Nabil, et alors, que s'est-il passé? Il était sale et il est devenu propre. Comment? Explique-moi. Comment que s'est-il passé? Alors l'oncle, il lui dit, un jour, les jeunes du quartier, Chebeb Dielhi, ont décidé de nettoyer les rues. Donc, Chebeb Dielhi, les habitants Soukhan Dielhi, ils étaient très heureux, cette initiative. Ensuite, tout le monde a participé à cette action. Tout le monde, quand on dit tout le monde, ça veut dire les habitants, les jeunes du quartier, les enfants, les femmes, les filles, etc. Ils ont tous, ils ont participé tous à cette action-là. Nabil, tout le monde a participé à cette action? Et même les enfants? Donc, oui, mon petit, tout le monde. Chacun a apporté sa contribution. Les filles, les enfants, les habitants, les femmes, les hommes, les jeunes, tous, ils ont participé à cette initiative. Hein? C'est une belle initiative. Nabil, et ces dessins, qui les a fait sur le mur? Voilà le mur, il est plein de dessins qui sont propres. Hein? Ils sont très, très, très beaux, si vous voulez, ils sont très beaux. L'oncle,
ce sont des jeunes. Nous avons deux groupes. Un groupe qui a fait les dessins, qui a dessiné des dessins sur les murs, et un groupe qui les a coloriés. Alors, des jeunes ont réalisé des dessins, ça veut dire qu'ils ont fait les dessins sur les murs, et l'autre groupe, d'autres les ont coloriés. Ils ont fait des couleurs. Voilà. Nabil, et comment vous avez fait pour effectuer ce travail-là? Alors, comment, quelle est l'action que vous avez faite pour réaliser ce travail-là de coopération et de solidarité? Hein, ce travail-là du nettoyage du quartier. Alors ici, on va voir l'oncle, qu'est-ce qu'il va lui dire? L'oncle, c'est grâce à l'esprit de coopération et de solidarité. Alors nous avons, j'observe et je forme des hypothèses. La deuxième partie, donc, combien de vignettes cette bande dessinée est-elle constituée? Nous avons vu dans le texte de lecture, il y a six vignettes. Il y a six vignettes. Quels sont les personnages représentés par les images? Les personnages représentés par les images sont Nabi, voilà, l'oncle et Nabi et les jeunes du quartier. Et même les habitants, les femmes, les filles, etc. Donc tout le monde. Tout le monde, tous les habitants du quartier ont participé à cette action. Où se trouvent-ils? Ils se trouvent dans le quartier. Ils se trouvent dans le quartier. Pourquoi? Parce que c'est le quartier qu'ils veulent nettoyer. De quoi parlent-ils? Hein? De quoi ils parlent dans ce quartier? Ils parlent de la propreté du quartier grâce aux jeunes du quartier, grâce aux habitants, grâce aux jeunes enfants, grâce aux filles, aux femmes, etc. Tout le monde. Mais il faut dire. C'est un jamais, tous les habitants. Comment était le quartier avant? Alors, le quartier était très sale. Et comment il est devenu maintenant? Il est devenu très propre. Grâce aux jeunes, grâce aux femmes, grâce aux enfants, grâce aux habitants, tout le monde. Je comprends, page 66. 67. Page 67. 67, oui. Qui sont les personnages qui parlent dans le texte? Dans le texte que nous venons de lire, il y a deux personnages qui parlent, c'est Nabil et son oncle. Et ce dialogue, il se communique. Nabil et son oncle. Voilà les personnages qui parlent dans le texte. Je passe à l'autre tableau pour terminer l'explication. Alors, comment était le quartier avant? Le quartier était très sale. Il était très sale. Des sacs. Des sacs en plastique pleins des ordures sur les rues, il y a les murs qui sont sales, il y a les rues qui sont pouliées, donc le quartier il est très sale. Quelles sont les actions réalisées dans le quartier? Quelles sont les actions qui sont réalisées? Je connais ma amal li tahqqou f hadd lhiya la. Nettoyage des rues, dessin sur les murs. Ma bqaouch les rues mtoussekhin, ma bqaouch l'asbal marmouin f tariq, koulchi wala nqi, et les dessins sur les murs. Des dessins très, très, très beaux. Qui a participé à ces actions? Les jeunes du quartier, tous les habitants et même les enfants. Comment le quartier est-il devenu? Il est devenu très propre. On a déjà expliqué ça. Écrire les phrases qui indiquent que les habitants de ce quartier ont été solidaires. Bimana, oktoub l'jumal f l'qita'a l'afna, il s'esbina ala anna sukan diyal had l'hi. Donc, il y a une seule phrase qui est grâce à l'esprit de coopération et de solidarité. Donc, grâce à l'esprit de coopération et de solidarité, les habitants sont arrivés à nettoyer leur quartier, à rendre le quartier très, très, très propre, pas comme les autres quartiers. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.